Le solennel monsieur Philippe de Sampaigne, mais bizarre, excessif, extravagant, falot, il lui fournit de panse, à feu Zac Calo le plus fol, spanatin à mettre entre ses masques, feutre à panace triple et pourpoints à six basques, il promène en sa fraise à la poulcinella un nez. Ah, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil nazisère sans s'écrier « Oh non, vraiment, il exagère !» Et puis, on sourit, on dit « Il va l'enlever !»
Mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Et le porte. Et pour fin quiconque le remarque. Ah, son glaive. Et la moitié des fidaux de la partie. D'un certain triste sire, un monsieur de Valvert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas. Mais De Guiche est puissant. Il peut persécuter une sainte. Oh, silence! Mon Florian ah Princesse. Oui, c'est lui qui commence. Ce Cyrano n'est pas là. Oh, j'ai perdu mon pari. Tant mieux, tant mieux. Ah, mon Fleury! Bravo! Mon Fleury! Mon Fleury! Bravo! 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 N'étais-je pas interdit pour un mois? Hein? Quoi? Yes! C'est lui! Cyrano! Cyrano! Roi des pitres, hors de scène à l'instant. Oh! Tu récalcitres? Chut! Assez, mon Fleury! Jouez, ne craignez rien! Oh, Fleury! Eh bien! Faudrait-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Heureux qu'il voit sortez des mers. Heureux qu'il voit des coups dans un lieu... Ah, je vais me fâcher. Venez à mon secours, messieurs. Mais jouez donc. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez! Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur brigand. Oh, c'en est trop, mon Fleury! Que mon Fleury s'en aille, ou bien je l'essoreille et le désentripaille. Oh. Qu'il sorte! Oh. Ce n'est pas encore fait. Bon, je vais sur la scène, en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. Oh. En m'insultant, monsieur, vous insultez l'Italie. Si cette muse à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son coturne. Mon Fleury, la pièce de barreau. Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau, si vous continuez, il va rendre sa lame. Là. Sortez de scène! Quelqu'un réclame? Monsieur de Cyrano, vraiment nous tyrannise malgré ce tyranno. Bonjour à la Corise! La Corise! Si j'entends une fois encore quelques chansons, je vous assomme tous! Vous voulez pas passer en dessous? Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire? Non, mais c'est inouï! C'est scandale!
J'inscris le nom. Approchez-vous, jeune héros, chacun son tour, je vais donner des numéros. Allons, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur. Non, non, non. Vous, vous. Non, non. Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit, que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue. Pas un nom, pas un doigt, c'est bien, je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion, sinon... Le bistouri. Mes mains vont frapper trois claques. Pleine lune, vous vous éclipserez à la troisième. Restez. Mais restera pas. Je crois, monsieur... Deux. Je suis sûr qu'il vaudrait mieux... Trois. Deux. Il faut faire un... Personne ne va donc lui répondre. Personne? Attendez. Je vais lui lancer un de ses traits. En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un nap descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, à quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent, ça monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée! Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol et tendre, faites-le lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle l'hippocampe et l'éphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conquête, vous intriguons, naïf. Quand le visite bon. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur. Ce sera le gros loup. Enfin, parodiant Pyram en un sanglot. Le voici donc, ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le frère. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « saut ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries que vous n'en eussiez pas articulées le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Vicomte, laissez donc. Ces grands airs arrogants. Un oberon qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Ça... Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne... m'attiffe pas, ainsi qu'un frelouc. Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marouf, à qu'un buteur de pied plat, ridicule. Et moi, Cyrano, ça finit un Hercule de Bergerac. Bouffon. Qu'est-ce encore qu'il dit? Il faut la remuer qu'après elle s'engourdit. Ce que c'est de la laisser inoccupée. Hein. Oh, mais qu'avez-vous?
J'ai des fourmis dans mon épée. Oh, soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Oh, poète. Oui, monsieur, poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. La balade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Je vais tout ensemble en faire une et me battre. Et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Non. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un bénitre. Qu'est-ce encore que cela, s'il vous plaît? C'est le titre. Place! Très amusant! Rendez-vous! Pas de bruit! Ah, attendez! Je choisis mes rimes. Là. J'essuie. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vraiment trop d'ennemis.
Et combien puis-je à peu près ce soir, mon être mille? 48, sans compter les femmes. Voyons, compte. Mon fleuri, le bourgeois, de riche, le vicomte, baron, l'académie. Assez, tu m'as ravi. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Et quel système est le tien? J'irai dans un méandre. J'avais trop de parties trop compliquées à prendre. J'ai pris lequel? Le plus simple et de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit, mais en faire un amour. Le motif de taille pour moi fleurit. Le vrai, dis-le-moi. Ce Silène, si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril. Pour les femmes, encore, se croit un doux péril, et leur fait cependant qu'en jouant, il bredouille des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille. Et je le hais depuis qu'il se permit, un soir, de poser ses yeux sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Hein? Comment serait-il possible que j'aimasse? Il peut t'en savoir, tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Oui. Mais réfléchis, oui. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide ce nez qui, d'un quart d'heure en tout lieu, me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi, j'aime. Mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Un piège de nature. Une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien. Elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque. Et tu ne saurais pas, Vénus, monter en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi! Je comprends! C'est clair! C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine! Oui. Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux! Et tu l'aimes, dis-le-lui! Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui! Regarde-moi, mon cher, et dis, quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance? Oh, je ne me fais pas d'illusions. Parbleu, oui. Quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. Mon ami. Mon ami. J'ai de mauvaises heures. De me sentir si laid parfois, tout seul. Tu pleures? Non. Non, cela jamais. Non, ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait. Mais t'encourage! Mais Roxane elle-même, toute blême, a suivi ton duel! Toute blême? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés! Oh, c'est lui par la fin! Qu'elle me rit au nez? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur! Oh mon Dieu, ça duègne! De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir? Vous voir? On a des choses à vous dire. Oh mon Dieu! L'on ira demain aux primeroses d'aurore où ira la messe à Saint-Roch. Oh mon Dieu! En sortant, va-t-on entrer, causer un peu? Ouh! Oh mon Dieu! Vite, vite! Je cherche! Ouh! J'irai à Guenon, le pâtissier! Il pêche? Dans la rue, oh mon Dieu! Saint-Honoré! L'on ira. Soyez-y. Cette heure. J'y serai! Moi, dès un rendez-vous. Tu es plus triste. Pour quoi que ce soit, elle sait que j'existe. Non, tu vas être calme. Maintenant. Mais je vais être frénétique, fulminant. Escargot. Quoi? Et une énorme grise qui t'apporte. Hé, Lignière, qu'est-ce qui t'arrive? Il te sert s'il ne peut rentrer chez lui. Pourquoi? Ce billet m'avertit sans palme contre moi. À cause de deux chansons, grand danger me menace. Porte de Nel, il faut pour rentrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous ton toit.
100 hommes, m'as-tu dit? Tu coucheras chez toi. Mais... prends cette lanterne et marche. Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. Vous, messieurs, suivez à distance et vous serez témoins. Mais 100 hommes! Ah, ce soir, il ne m'en faut pas moins.